Ensuite, nous devons y ajouter notre jus d'aloe vera que nous avons extrait préalablement. Ensuite, nous devons ajouter 2 capsules de vitamine E, comme vous pouvez le remarquer là. Ensuite, ajoutez 1 cuillère d'huile d'amande douce. Ensuite, pensez à très très bien mélanger, ok? Pendant le mélange, mettez votre bol au bain-marie pour quelques minutes, genre 2 à 3 minutes. Juste pour faciliter le mélange un tout petit peu, puis retirez le bol et continuez de très bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte très 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 belle, homogène et lisse. Vous voyez là, je mélange en écrasant les petits grumeaux de jus d'aloe vera que j'ai dû laisser échapper lors de l'extraction. Après avoir pris le soin de très bien mélanger jusqu'à ce que votre pâte ait la texture dont je vous ai parlé et dont vous pouvez le remarquer aussi, alors prenez 2 bols en plastique que vous mettez votre pâte à l'intérieur. Pourquoi 2 bols? Parce que cela facilitera l'extraction et vous ne ferez pas un si gros savon, genre très très gros, parce que vous avez tout mis dans un bol, non. Donc autant mettre dans 2 bols en plastique. Ensuite, vous devez laisser poser dans un endroit frais pour que votre savon se solidifie. Et cependant, minimum 3 à 4 heures et vous obtiendrez votre savon. Il s'utilise normalement, vous commencez et vous le terminez. Il ne faut pas commencer et puis le laisser traîner 2 à 3 semaines à la douche et puis revenir, non. Si vous le commencez, vous allez normalement vous laver avec quand vous avez l'habitude de vous laver matin, soir et puis jusqu'à ce que vous le terminez, ok? Il peut s'utiliser sur toute la peau, sur tout le corps. Voilà mes amours, c'était tout pour cette vidéo. J'espère avoir un maximum de pouces en l'air. Et j'espère même que vous avez liké la vidéo depuis même avant de commencer à la regarder. Je t'invite à t'abonner si tu es arrivé jusqu'ici sans l'avoir fait. Surtout, si tu veux être à jour concernant mes publications quotidiennes, alors active toutes les cloches de notification. Surtout, pensez à partager ceci à tous vos amis, contacts, famille, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et j'en passe. Je vous souhaite une excellente matinée ou alors une excellente soirée selon que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.